Dans cette vidéo, nous allons préparer une galette de semoule. Comme ingrédients, nous aurons besoin de 2 mesures de semoule fine, de levure de boulanger, 3 quarts de l'huile d'olive, c'est le verre de thé, une cuillère à café de sel et de l'eau pour mélanger la pâte. Donc j'ai ici un gros récipient. Là, je vais disposer ma semoule. Voilà. Je mets ma levure, c'est environ une cuillère à café. Je finis. L'huile, je mets ici. Avec la quantité du sel. J'ai mis mon sel ici et maintenant je vais rajouter de l'eau de ce côté. Juste un petit peu. Après, je rajoute progressivement au besoin. Donc, je mélange bien le sel dans l'eau et l'huile. Et là, je vais mélanger le liquide avec ma semoule. De cette façon. Voici ma pâte. Donc la quantité de l'eau que j'ai mis, environ 300 ml, m'a suffi largement. Donc voilà. Et comment travailler la pâte, c'est environ une trentaine de secondes. Je fais cette action toujours comme si je coupe ma pâte de cette manière. Et après, je la ramasse. Voilà. Ça suffit. Maintenant, je vais directement la ramasser. Former une petite boule. Voilà, j'ai coupé ma pâte sur deux parce que j'ai une poêle plate un petit peu petite. Donc j'ai mis sur deux, vous voyez la texture de la pâte. Et maintenant je vais utiliser mon rouleau et je vais préparer une galette. On y va. Voilà, dans un plan bien propre, je vais étaler ma galette. Formeront à épaisseur environ 5 mm. Et voilà ma galette, voici l'épaisseur. Donc, comme mentionné, environ 5 mm. Maintenant, je vais mettre quelques trous avec une fourchette pour que ma galette sera bien cuite à l'intérieur. Pareil pour l'autre surface, donc je vais tourner ma galette et je mets ça avec ma fourchette. Pas d'inquiétude, la galette ne se colle pas sur le plan de travail, donc pas besoin de rajouter quoi que ce soit comme farine ou semoule. Et là, j'ai préchauffé ma poêle plate et je vais la mettre au feu. On y va. Voilà, ma galette, elle est mis en feu. Maintenant, j'essaye de faire cuire ma galette sur chaque côté environ 3 à 4 minutes ou 5 jusqu'à ce que ma face sera bien dorée. Et j'essaie toujours de faire l'action de bien tourner ma pâte quand c'est vraiment chaud la poêle. Ça tourne facilement. Je tourne et je tourne jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et voilà, c'est cuit. Voilà, je tourne de cette manière. Et voici ma galette de semoule, elle est bien cuite. Donc ça, c'est la première phase, je vais vous montrer la deuxième. Et voilà, la deuxième. Voilà, à bientôt.